Non, de tous les collègues du groupe scolaire Yerotako Balde, franco-arabe Yerotako et maternel, nous vous remercions et nous accueillons avec bras ouverts le geste que vous venez de faire au sein de notre établissement. Depuis la première vague jusqu'à cette deuxième vague, en tout cas les enseignants sont en front. Donc, et c'est la première fois que nous rencontrons une autorité, même moi au niveau national, une autorité qui vient spécialement pour en tout cas faire un geste en direction des enseignants. En tant que fils du terroir, je pense que le geste ne peut être plus noble. Très sincèrement, nous ne faisons que louer votre action. Et rassurez-vous, nous en ferons bon usage, à bon escient. Vraiment, pour ne pas être long, transmettez-lui nos salutations et nos remerciements. Donc ça, c'est beaucoup. Parce que c'est tout ce que nous recherchons. C'est des gens qui peuvent vraiment nous aider à lutter contre cette maladie-là, à nous protéger, donc à respecter les gestes barrières. Donc c'est ça que nous voulons. Donc on vous dit merci beaucoup. Voilà, vraiment. Et je vous dis, comme je l'ai annoncé tantôt, donc nous travaillons toujours. Donc les problèmes restent pareils dans toutes les écoles. Nous travaillons dans des conditions très 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 difficiles, vraiment. Vous allez voir dans les classes là, si vous le voulez bien, les enfants n'ont pas pour s'asseoir. Donc le problème de table manque, on est confronté à ces difficultés là. Les élèves sont enfoncés dans les classes, voire une seule par 4, par 5. Je suis content quand même de votre visite. On vous remercie. Parce que ce que vous avez fait là, c'est un acte de civisme quand même, qui n'est pas totalement évident. On vous remercie d'avoir pensé quand même à nous. Merci encore. Je suis content de ce don symbolique du ministre de l'Agriculture, en l'occurrence, M. Moussa Balde, qui nous a fait un geste citoyen. Et nous, les enseignants, nous allons utiliser ça à bon escient. Et n'oubliez pas que les enseignants sont des vecteurs de sensibilisation dans le milieu scolaire, dans les maisons et dans les quartiers. Donc, avec ce geste symbolique, nous remercions vivement le ministre et nous l'encourageons dans sa démarche politique. Comme nous le savons, nous tous, la maladie est là. Elle est en train d'élargir ses tentacules. Donc, c'est venu à son heure, on en fera bon usage quand même. Donc, nos remerciements, l'équipe pédagogique par ma voix vous dit vraiment un grand merci et que Dieu vous le rende au centuple. On est ensemble, nous devons tous ensemble continuer à sensibiliser notre entourage pour mieux éradiquer cette pandémie. Donc, pour un peu renforcer le protocole sanitaire, en cette période de pandémie. Donc nous disons vraiment merci à vous et nous disons aussi merci au principal parce que lui qui a veillé à ce que le protocole soit respecté depuis le début de l'année et depuis même que la pandémie a commencé, donc ici vraiment c'est respecté. Vous pouvez donc par vous-même constater que les masques sont portés par la plupart des professeurs. Et dans les classes aussi, c'est exigé donc, que les élèves portent les masques. Donc là, ça c'est vraiment un grand appui. Et le principal en fera peut-être bon usage. Et vraiment, nous vous disons encore une fois, merci beaucoup. Juste remercier et féliciter le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural. En plus aussi, président du conseil départemental de Kolda. Je vais dire en toute liberté, hein, ce n'est pas le premier geste qu'il a fait à l'encontre de l'école sénégalaise et en particulier au niveau de l'école de Kolda. Lorsque la pandémie s'était déclarée, il fait partie de ceux qui nous ont en tout cas appuyés au niveau du deuxième semestre pour que le protocole d'ordre sanitaire soit bien respecté au niveau de notre école. On avait reçu beaucoup de lave-mains, beaucoup de gel, beaucoup de savon et des masques. Et en plus aussi, il nous avait aussi dit, en plus de cela, je vais vous donner aussi des matériels de reprographe. Il nous avait même offert une photocopieuse toute neuve qui nous a permis aujourd'hui, je pense, je suis devant les enseignants, de mettre à bout et d'être là pour les tirages et tout. Donc au point de vue support aussi, il nous a beaucoup aidé. Et ce qui a fait l'année dernière, pour la première fois, notre collège a eu un résultat de 99,14%. C'est-à-dire qu'il y avait un échec sur 117 élèves. Et aujourd'hui, à cette période, s'il vient encore, ça montre qu'il est là
Dans cette deuxième vague, il dit qu'il vient avec une contribution modeste pour continuer à appuyer l'effort que les enseignants sont en train de fournir dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Donc vous avez les encouragements du maire pour avoir fait respecter le protocole sanitaire, mais également pour avoir fait des séances de sensibilisation à l'école, mais également dans les maisons. Pour cela, il tenait à vous remercier tous les enseignants du Sénégal et particulièrement ceux de Kolda, et les féliciter et les encourager, mais demander à ce que le travail continue parce que la pandémie elle est toujours là. Donc c'était dans ce sens-là que nous sommes passés avec M. Kandé, attaché de cabinet du maire, donc pour vous présenter les remerciements et les encouragements du ministre, mais également vous appuyer par cette petite dotation en masque pour les enseignants, mais quelques détergents pour appuyer les élèves par le respect du protocole sanitaire.